Salut à tous, pour les JO 2022 d'hiver de Pékin, plus de 2000 sportifs officiels et étrangers participeront à partir de cette semaine à une série d'épreuves de tests. À 4 mois de l'événement qui se tiendra du 4 au 20 février 2022. Rubis Clermont s'est imposé face au Racing 96-26 à 17 lors de la cinquième journée. Clermont remonte à la 9e place. Le talonneur du Paris Olympique, Omar Fofana, qui s'est sorti sur blessure contre Toulouse d'une rupture du ligament croisé intérieur. Quant à Arthur Vincent, l'international français, il souffre d'une rupture au ligament croisé du genou gauche. En tennis, l'Italien Yannick Sinner a remporté le 4e titre de sa carrière à Sofia en battant Gaël Monfils 6-3-6-4. Quand le Norvégien qui a perdu a remporté son 5e titre d'ATP cette année à San Diego en battant le Britannique Cameron Norrie 6-0-6-2. En Espagne, Gabine Muguruza s'est imposé 3-6. 6-3-6-0 en finale à Chicago face à la Tunisienne Osbourg. Gaël Monfils a gagné 2 places au classement ATP, il est 18e. Le top 10 n'a pas changé, même si Caparoux se rapproche de Federer. 150 points, il sait pas. WTA, Naomi Osaka n'est plus dans le top 10. Elle était présente depuis 7 ans, 2 minutes, elle est 12e. Quant à la Tunisienne Osbourg, elle est 14e, elle grappille 3 places. Quant à Gabine Muguruza, elle remonte à la 6e place. Elle a grappillé 3 places. L'ancien numéro 1 mondial n'était plus classé aussi haut depuis juillet 2018. Le classement est dominé par l'Australienne Ashley Barty. En Coupe Davis Junior, l'équipe de France s'est inclinée face à la Russie après avoir dominé le Mexique de 1 face à en demi-finale, ils ont perdu face à la Russie en 3-7 face à 2000 Yaroslav 3-6 et 3-6-1. Gabriel Debrouze a incliné en 3-7 face à 2000 Yaroslav 3-6 et 3-6-1. Et Antoine Gigoldo s'est incliné contre Maxime Jukov, 6-1-6-3. En NBA, Joël Ayaï a disputé son premier match avec les Lakers face aux Nets, remporté 123-97 sans LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony pour les Lakers, Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving n'étaient pas là pour les Nets. C'est Kudubia est rentré à la
35e minute pour 11 points, 3 sur 3 au tir, 5 sur 5 au lancer, 4 bons, une passe, une interception, une balle perdue en 13 minutes. Quant à Joël, oui. Il est rentré à la 33e minute en la fête de Kendrick Nunn, 14 minutes de jeu, avec 0 point, 0 tir, un pas décisif, une balle perdue. Le tempo center a une capacité de 19 000 pieds, était rempli à 84%. La Suède s'est imposée face au BCM de Gravine. 83-81. Le tandem jeune Kings a mis 25 points et Brandon Taylor 16 points. 5 points, à 4 sur 7, à 3 points et 6 rebonds. Eli Okobo a mis 17 points. Et Chris Jones a passé le match dans l'ombre. En ce qui concerne le compagnie, a remporté le Paris-Roubaix. Et devant Florian Vermes et Mathieu Van Der Poel, après les chutes de Stephen King et Jesper Schützen, c'est Peter Sagan est tombé aussi. Quand chez les femmes, la néerlandaise Annemiek Van Vleuten s'est fracturé le bassin, elle est tombée lourdement dans le secteur, dans le dernier secteur à l'entrée des 20 derniers kilomètres, elle est également blessée. À l'époque, en MotoGP dans le championnat du monde du Superbike 2021, le motard turc Toprak Razgatlık le groupe compte 24 points d'avance sur le septième du champion du monde Jonathan Rea à 3 podiums en 3 courses pour le français Yoris Gaz qui remplace Charge de vis depuis la manche précédente en Espagne dans la team Ducati. Il a terminé 3 fois sur le podium à la 3e place de Marc Marquez a remporté le Grand Prix des États-Unis aussi devant Fabio Quartararo, l'Italien Francesco Bagnaia est 3e, il cède 4 points et compte 52 points de retard sur Fabio Quartararo au championnat du monde Johann Zarco. A chuté en moto de l'Espagnol Raúl Fernández, futur pilote de telle moto, a remporté le Grand Prix des Amériques et sa 7e victoire cette saison.
Devant Fabio dit, je également promu en MotoGP en 2022 à plus de 2 secondes de Marco Bezzecchi en Moto3 en s'imposant au Grand Prix des Amériques pour revenir à 9 points de Rémi Grosjean. À noter la chute de Pedro Acosta en tête avant une interruption et Izan Guevara victime ensuite d'un accident britannique décroche sa première victoire après un deuxième départ au 5 tours. Suite à une chute de Philippe Sala à la lutte pour le podium qui compte couper la route à Jérémy Jacoba déjà impliqué lors de l'incident de Dupasquier à roue arrière du Turc touché. Littéralement, c'est de l'Espagnol que le crochet étant au milieu de la face. Pedro Acosta et Andrea Migao ne pouvaient pas s'éviter. Le drapeau rouge était sorti, forçant tous les pilotes à rejoindre les stands. John McPhee a été en tête au moment de la chute. Il allait décrocher le succès. Si la course allait repartir finalement, c'est un troisième scénario qui était choisi puisque la direction du cours décidait d'attribuer la victoire à Izan. Vous verrez en tête de la course après le premier drapeau rouge, après 8 tours devant Denis Pogia et Jean Marty. En bas, Montpellier s'est imposé 37-30 face à Créteil, privé de son capitaine Valentin Porte. Hugo Desca a mis 11 buts et 5 pénalties et arrière-gauche. Carl Lignac, 7 buts ont été les meilleurs marqueurs, mais Montpellier, tandis que Neymar s'est imposé 21-29 à Dunkerque. Avec Jean-Luc Torbi et Mohamed Saad, 12 buts et 5 en sur 15 tirs, avec Rémi Dubouni dans la cage qui a fait 10 arrêts à 53% avant la pause. Chambéry a annoncé le départ de son gardien Nicolas Pottner qui rejoindra Magdebourg en Allemagne, en NFL. Les New York Jets se sont imposés 27-24 face aux Titans de Tennessee. Les Eagles de Philadelphie se sont inclinés face aux Chiefs de Chicago de Kansas City. 30-42, les Dallas Cowboys se sont imposés face aux Panthers de Carolina et les Saints de New Orleans se sont inclinés face aux New York
28, 21, 27, 1975, 65, face Bronx, le Cleveland, 7 à 14, le Chicago Bears, 71, posé face Lions de Détroit, 24 à 14, le Bills de Buffalo, 71, posé 40-0, face aux Texans de Houston, des films de Miami. De Miami, 60 ans qui n'est face au coach de l'Indianapolis, 17 à 27. Les Falcons de l'Atlanta, 60 ans qui n'est face au team football Washington, 30 à 34. Les 49ers de San Francisco, 60 ans qui n'est face au Chicker de Seattle, 21-28, et Rams de Los Angeles, 60 ans qui n'est face au Cardinal d'Arizona, 20-37, les Green Bay Packers, 60 ans imposés face au Peterborough Steelers, 21-17, les Denver Broncos, 60 ans qui n'est face au Baltimore en 27-23, les New England Patriots, 60 ans qui n'est face au Tampa Bay Buccaneers, 17-19. La saison régulière de MLB a pris fin hier. Boston et New York se sont qualifiés pour les playoffs. San Francisco a le meilleur bilan avant le début de la phase finale de qui débute mardi. Les Dodgers de Los Angeles sont les champions en titre, mais ce sont les gagnants de Francisco qui ont dominé la Ligue nationale et la Division Ouest, où figurent les deux équipes emmenées par Brandon Belt, 29 Bonne Run et Mike Yakanreski, Brandon Crawford de Brandt Poisson. Ils ont décroché 107 victoires en 162 matchs, soit le meilleur bilan de la saison, mais également celui de victoire de l'équipe contre 106 victoires en 1904. Les Dodgers devront jouer une rencontre week-end mardi contre les San Luis Cardinals, mais Los Angeles a effectué une belle saison portée par Max Muniz, 36 achats, et le lanceur Julio Arias, 20 victoires, mais soit à une qu'à une victoire. Des Giants, 36 victoires. Quant au Tampa Bay Rays, qu'ils avaient disputé les World Series, c'est dans 6 matchs à Los Angeles et saison après avoir dominé et de nouveaux candidats en huitième de finale. Après avoir dominé la Ligue américaine, les Rays ont remporté 100 victoires grâce à Brandon Lowe, 39 home run, et Max Gimino, 33. Les Milwaukee Brewers ont remporté la division centre avec 95 victoires et tenteront de se qualifier pour leur première round de série depuis 82 pour la cinquième année consécutive. Les Houston Astros disputeront les playoffs, ils ont
Ils ont remporté la conférence Est avec 95 victoires grâce au coureur Jordan Navarrete, 33 HRS, et Jos Almeida, 31, et Kyle Tucker, 30. Tony Laroussa a réussi son retour en tant qu'entraîneur après 10 ans d'absence et a amené les Chicago White Sox vers le titre de l'AL Centre avec 93 victoires. Les Braves d'Atlanta ont terminé premier avec 80 000 victoires, coiffe en Philadelphie pour un piège qui n'a pas pu arracher de piège de barrage. Atlanta va tenter d'aborder les playoffs avec une solitude des batteurs Austin Riley, Freddie Freeman et Ozzie Albies. Les shortstops, Teoscar Hernández, passé en cours de saison de Washington au Los Angeles Dodgers, a terminé meilleur batteur avec une moyenne de 32,8% de réussite. Salvador Pérez du Kansas City et Vlad Guerrero Jr. de Toronto ont été les meilleurs cueilleurs de home run avec 48. Et Julio Urias de Los Angeles Dodgers et le seul lanceur à avoir atteint les 20 victoires. Les New York Yankees et les Boston Red Sox et l'affiche légendaire de la MLB. Ils se croiseront pour les 8 quarts de la LAL, figurant dans la même division de Tampa Bay. Ils n'ont pas pu lutter contre les règles de Tampa Bay pour la première place. Ces deux équipes termineront la saison dès mercredi à Ramiju de 38 home runs et Giancarlo Stanton 35 porteront New York tandis que Boston s'appuiera sur Rafael Driver 38 runs et Hunter Renfro 31 runs. Les San Diego Padres qui avaient cassé leur tirelire en achetant les lanceurs Blake Snell et Yu Darvish n'ont pas atteint les playoffs, mais en plus ils ont fini la saison avec un bilan négatif de 79 victoires et 83 défaites. Toronto qui avait également ajouté Frigor et Semin a manqué les playoffs pour une victoire, même chose pour les Sentinels qui n'a plus disputé de phase finale depuis 20 ans et qui était encore en cours hier lors des fêtes chez Los Angeles, les a envoyés en vacances. Los Angeles a pu s'appuyer sur un Shohei Ohtani, 46 hommes et 9 victoires comme lanceur, mais a été pénalisé par la blessure de Marc Trout
et qui n'avait que 36 matchs à cause d'une blessure au mollet, envoyé Bernard. Bernard et ses Français, l'entraîneur Cédric Erina, ainsi que les joueurs Timothée Carr et Samuel Tuta ont remporté la Super Coupe d'Allemagne face à Francfort 3-7 à 0, 25-18, 25-19, 25-20. Pour Erna, il s'agit du sixième trophée avec le club de la capitale. Deux Bundesliga 2019-2021, deux Coupes d'Allemagne 2020-2021 et deux Super Coupes après celle de 2020. En hockey, Guillaume Kerr a mis 12 points en 6 matchs avec l'Omonia Nicosia en championnat d'Autriche après sa victoire face à Vienne 1-0 qui regroupe les équipes autrichiennes, italiennes et hongroise dans la Ligue ICEHL, l'aîné au centre Guillaume Kerr pointe en tête des pointeurs avec 5 buts et 7 passes, qui avait été le meilleur joueur de la Ligue Magnus en 2019. Il avait tenté sa chance en Slovaquie à Propague avant d'être coupé pour finir en deuxième division allemande du côté de Bretagne. La saison dernière, la situation sanitaire l'avait retenu à Amiens dans un premier temps, puis envoyé au Danemark. Avant de rebondir à Ljubljana, d'autres Français ont réussi dans les championnats étrangers. L'attaquant Anthony Rost brille avec Wolfsburg 8 points en 9 rencontres avec un ligament, tandis que Jordan Perret connaît un bon début de saison avec Mofrid en République tchèque, l'ancien ailier grenoblois, toujours dans un bon rôle définitif et sans une grande présence, accumulé 7 buts en 10 matchs. En Finlande, le défenseur Hugo Gaillet continue sur sa lancée de la dernière saison avec Kalpa. Il est installé en premier duo défensif de sa formation. 4 points en 10 rencontres. En lutte libre dans le championnat du monde qui ont débuté samedi à Norvège à Oslo. Le Français Marvin Jaeger, en moins de 45 kilos, a perdu face par le Kyrgyz Abdel Osmozov au moins 10 points d'écart quant à si Sifedin Akedma, moins 519 kilos, il a été vainqueur 7-5 face au Mongol
Batı bir Uğrayım insan kine akal dövünen dövan yıkan yamur amel nuku dirimi nuku ki Sakir Asari avant de avant d'être éliminé face à l'Américain de Tom Fix. En repêchage, il a été battu par le Bulgare. Georgi Van Gogh par grande supériorité de son côté en moins de 66 kilos à Ahmed Al-Boual a dominé le letton. Ivar Samouchkov avant de s'incliner face à l'Américain David Taylor. En quart de finale, en repêchage, il a été éliminé 3-6 face au Slovaque Boris Mikov. La lutte féminine débutera aujourd'hui avec Corumba Larocque en moins 48 kilos et Cynthia Vesco qui s'affronteront. N'entreront que mercredi. Quant à aux Français, Saïd Akema, il a été dominé par l'Arménien Armand Arélian. En repêchage, j'ai mon Dieu, suivez-moi sur ma chaîne YouTube.